DKL, le podcast. Bon, on va prendre le chéri, je t'ai fait cocu. Maintenant avec Frédéric qui est là. Salut Fred. Salut à tous. Comment salut. Ça va? Oh, ça va et vous? Bah écoute, ça va bien, ouais, tranquille Fred. Bon, t'appelles du 91 Fred, tu as 19 ans, nous allons faire un chéri, je t'ai fait cocu maintenant. Ok. Très bien, comment ça va se passer? C'est quoi l'histoire? Bah en fait c'est simple, c'est je vais faire croire à ma copine que je suis tombé amoureux de, on va dire, une de mes ex. D'accord. Et je vais lui faire croire qu'en fait ce soir je dors chez elle. D'accord, et comment s'appelle ton ex? Elle s'appelait Virginie. D'accord, très bien. Sandro, tu vas t'appeler Virginie. Oh non, j'aime pas ce nom, je oui, peux pas jouer. Oui, bah en même temps, c'est une ex. Non, j'aime si, pas. Si, 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 tu vas voir, ça va très bien se passer. Excuse. Bon, alors, parfait, donc t'es censé être chez elle, et elle la connaît, Virginie, ou pas? Non, elle l'a jamais vue, je lui avais déjà parlé, j'étais tombé amoureux d'elle, mais c'est tout. D'accord, ok, très bien, parfait. Bon, et donc, vous êtes censé être où, là, donc chez elle, hein? Ouais. Ouais, chez elle, puisqu'il dort, il dort chez Virginie, ce soir. Et c'est dans quel coin, comme ça, au cas où elle pose une question? De quoi, quel coin? Elle est censée habiter dans quel coin? Elle habite à 10 minutes de chez moi. D'accord, ok, très bien, parfait. Bon, eh ben, on y va, Fred. On l'appelle, au plus elle s'énerve, au plus t'as de chance de repartir avec les cadeaux, d'accord? D'accord. Allez, c'est parti, on y va, bonne chance. Et quand Sandro te parle, bien sûr, tu fais comme s'il était à côté de toi, évidemment. Vous habitez d'accord. ensemble habituellement ou pas? Non, elle non habite un département plus loin que moi. Ah oui, oui, bon, tu la vois jamais? Si, pendant les vacances. D'accord. Bon, t'as des affaires à elle chez toi ou pas? Pyjama Non, y a rien. Bon, bah, non. On va se démerder. Hein. Très bien. Bon, allez, ça va bien se passer. Vas-y, Fred, on y va, on l'appelle. Ok. Allez, on appelle plutôt le portable ou le fixe? Appelle le portable. Le portable. Ok, ça marche. Allez, on y va. Attention. Ah, on appelle chez nous. Allô? Oui, allô, ma chérie? Oh, mon cœur. Salut, ça va? Ça va? Ouais, t'as passé une bonne journée aujourd'hui? Ouais. Ça va, tranquille? Ouais. Ok. Bah, c'est cool que tu sois heureuse, comme ça je vais pouvoir, on va pouvoir discuter tranquille. J'ai un petit truc à t'expliquer en fait. Ouais. C'est trois fois rien, t'inquiète, c'est pas très grave, c'est voilà quoi. C'est, on va dire que c'est simple, c'est bah aujourd'hui, vu qu'on s'est pas pu se voir, avec que de ma gare là. Je me suis baladé dans ma ville et tout. Et tu te rappelles de la meuf que t'avais parlé, que j'avais rencontré au collège, qui était tombé amoureux et tout, tu sais, Virginie là. Ouais, je me rappelle. Ouais, bah en fait, il semble que j'ai revu Fanny aujourd'hui. On a discuté tranquille et tout. On se tapait des bars, on a toujours été bons amis, quoi. Ça faisait en plus super longtemps qu'on s'est pas vu, donc tranquille. On est parti, on s'est retrouvés chez elle et tout. Tranquille, on a causé et tout, c'était bien, c'était sympa, on se marrait bien et tout, et elle m'a proposé de rester dormir chez elle et j'ai dit oui. Et elle est encore là ou il part dans le on va dire que si. On va peut-être se mettre ensemble quoi. Ouais. Me la refais là quoi. Bah c'est simple, c'est que t'es une fille super géniale, t'es bien, mais elle, bah, elle est douce, attentionnée et tout, contrairement à toi. T'es un vrai connard. Tu t'en fous complètement de ma gueule, tu l'as toujours fait, de toute façon on se voit presque jamais, tu t'en fous tout le temps. Si tu préfères être avec tes potes, tu préfères même être sur l'ordinateur que de me causer. Toi quand je vais te voir, tu vas t'en mettre une, tu vas comprendre ta douleur. Toi, il m'a trompé. Hein? C'est quoi son délire à lui là? Oh là là, ils sont mauvais à plusieurs. Et on va les garder eux, parce que ça fait longtemps qu'on a plus de pipo. Vu que tu causes à ta sœur, t'as pas à causer à ta sœur, c'est entre nous deux là. Enfin, t'es un connard. Ah non, je suis pas un connard, c'est plutôt toi. Comment tu t'occupes même pas de nous, tu t'en fous. Je viens de retrouver une amie, en plus, elle est super jolie, elle a presque ma taille, elle est sympa, elle pense à nous deux, et je vais sûrement rester chez elle. Et c'est bon, c'est fini. Mais Fanny, t'as pas besoin de quitter tout de suite. On peut encore en discuter, ça peut être normal quoi, on peut peut-être faire la part des choses. Bah quoi? Et toi tu viens demain et je veux te voir. Ouais, je veux te voir. Pourquoi? Tu viens tout de suite. Bah devine. Oh, vas-y, sans plus. Je viens me tuer en face de deux, je vais te taper. D'accord? Bébé, ouais, quoi. Oui, attends deux secondes. Tu viens manger?
Deux secondes, on est au téléphone. Je suis au téléphone, j'arrive. Deux secondes. Pourquoi t'appelles bébé? Pourquoi? Elle t'appelle bébé. Non mais deux secondes, je parle à un pote là. Attends, attends, je parle à un pote. Ça va être froid, je t'ai dit. Ouais, mais on a le temps, deux minutes, deux secondes. Je connais un pote, j'arrive. Je règle ça. Mais t'as vu ta gueule à celle-là? Ouais, non, t'inquiète, allez, viens. Au pire, c'est pas grave. Ferme ta gueule. Je veux pas que tu restes avec elle. Ah, t'es sérieuse? Putain, j'y crois pas, quoi. Tu t'y attendais pas? T'as vu comment Bah non, je m'attendais pas, t'es con ou quoi? Bébé, trois minutes. Ouais, allez, cinq minutes au pire. Je parle à un pote, t'inquiète. Je parle à un pote. Ouais, mais à cette heure-ci, c'est un peu tard, hein, on perd du temps, là. Putain, mais arrête, quoi. Vas-y, vas-y, arrête, là, c'est bon. Mais j'arrête, quoi. De toute façon, tu savais que ça allait arriver. T'as vu comment t'es? Tu penses... Eh, déjà, ton ordi passe en prio. Tes cours passent en prio. On se voyait jamais, alors ouais, c'est chérie, bon, quoi. Pourquoi tu t'embrouilles avec ton pote, là? C'est gagné la semaine. La semaine. Ta gueule, chérie, pourquoi tu t'embrouilles avec ton pote? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu lui dois de la thune? Non, je m'embrouille pas avec ton pote. Bah si, tu t'embrouilles avec lui, là, depuis tout à l'heure. Ferme ta gueule. Non, je lui parle tranquille, ça s'en t'inquiète. Mais c'est qui? Je le connais. Non, tu le connais pas. Bah, Passe-la-moi. Non, non, je te la filerai pas, tu rêves, toi. Passe-la-moi aussi, il veut me dire bonjour. Allô. Salut. Pourquoi t'as pas mon copain bébé, là? T'as pas mué encore, dis-moi. Quoi? Mais c'est qui? C'est Pierre? Non, c'est sa copine. Ah, t'es une copine? Enfin, son ex-copine. Ouais, chérie, c'est pas cool de traiter les filles de travestis, je t'ai déjà dit. Hein. Ouais, mais bon, c'est un mec, t'inquiète. Bon, il paraît que t'es un peu un garçon manqué et que ça te dérange pas. Bon, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, j'ai fait à manger et ça va refroidir. Non, mais j'en ai rien à foutre. Tu laisses mon copain tranquille. Bah, ça te regarde pas, on fait ce qu'on veut. C'est mon copain, d'accord? Tu le laisses tranquille. Non, c'est pas ton copain, puisque c'est le mien. Tu vas dégager, tu vas le laisser tranquille. Ah, je vais pas dégager, je suis chez moi, t'es mignonne, toi. Ça, je savais déjà. Non, mais tu vas laisser mon copain tranquille. Mais c'est pas ton copain. C'est quoi cette histoire, chérie? Je comprends pas. C'est qui, celle-là? Non, t'inquiète, elle a un peu trop bu, tu sais, les soirées et tout, tranquille. Bon, bah écoute, repasse-moi. Tu me parles sur un autre ton, s'il te plaît, t'es mignonne, toi. Mais je t'emmerde. Repasse-le-moi, s'il te plaît. Mais je t'emmerde, repasse-le-moi. S'il te plaît. Non. Bah je te le passe pas. Allez, ouais, moi, je t'emmerde. Repasse-le-moi. Oui, bon bah je te le repasse, tiens. Allô? Allô? Fanny? Putain, mais c'est une poussière en plus. Bah, me parle pas comme ça, hein. Vas-y, elle est cool. C'est qui, là? C'est un pote. C'est un pote de Fred. Hey, Michel! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Elle est persuadée d'être en couple avec mon doudou. Ah, t'es une mytho, toi? Putain, c'est Fanny? Bah, il paraît qu'elle est alcoolique aussi. T'as quel âge? Mais ça ne vous concerne pas. Bah si, je te demande, t'as quel âge? Mais ça ne vous concerne pas. T'as quel âge? Ça ne vous concerne pas. Allez, dis, ça te regarde pas, tu gagneras du temps. T'as quel âge? Allô? En plus, elle picole, là, j'entends le bruit de la bouteille. Non, putain, merde, je ne bois pas. Je ne bois pas. Bon. Après, Fred. Pas des soirées qu'elle a fait avec sa sœur, en plus. Eh, hey, Fred. Ouais. Elle sait où elle est, là, non? Bah si. Hein? Bah oui. Ouais, je pense. Hein? Oui, ouais. Bah oui. Elle savait avant qu'on l'appelle, elle savait. Avant même. Bon, en tout cas, on s'est fendu la poire. Bravo. On peut féliciter Micha. Bravo, fendu Micha la poire. Micha. Et alors, Micha. Je lui dis, je lui fais le signe. Tu sais, genre, vite, il me dit, bah oui. C'est merde, c'est sur Alice. Mais qu'est-ce que j'y fasse? Il peut pas savoir. Bon, Fred et Fanny, je vous renvoie immédiatement chez Micha. D'ailleurs, on va bientôt le brader hein, pour janvier, on va le solder pour les autres radios. Hein, si vous voulez, on vous fait un tarif exceptionnel. Exceptionnel, un truc magnifique, extraordinaire, le top du top au niveau du tarif. En tout cas, on s'est bien marré, ça me fait plaisir. Merci, ça m'a, ouais, écoute, ça m'a détendu. Eh ben, tant mieux. Du coquelicot. Oh, c'est bien dit ça. Ouais, effectivement.